Merci, Monsieur le maire adjoint. J'inviterai maintenant Monsieur Bernard Leblanc, notre député provincial, à nous adresser la parole. Premièrement, bienvenue à cette série d'intronisation de nos quatre personnes de paroissiennes qui vont être intronisées prochainement. Premièrement, c'est une belle initiative du village de Memramcook de faire cette chose-là, de reconnaître nos grands athlètes et nos bâtisseurs et bâtisseuses. Je vais les féliciter d'avoir pris cette initiative. J'aimerais premièrement souhaiter la bienvenue à Dominique Leblanc, mon ami, et son épouse Jolene, qui sont ici aujourd'hui. Également, j'aimerais de souhaiter la bienvenue aux quatre personnes qui sont intronisées ici aujourd'hui. On va les connaître prochainement. Également, j'aimerais de souhaiter la bienvenue à tout le monde qui nous accompagne et qui vont faire partie de cette belle cérémonie aujourd'hui. I would like to welcome everybody. I'd like to welcome everybody that's here, especially for the tournaments from Woodstock, all the people that are here. It's quite an institution, quite an arena that we have, and we're always proud of it. Premièrement, j'aimerais de dire quelques mots au sujet des personnes qui vont être intronisées. Je sais que ça va se faire prochainement, mais je les ai connus un petit peu plus. Je les connais à peu près tous les quatre. Ils sont spéciaux, ils sont très dévoués, c'est des grands sportifs. Si on prend comme Roland Gautreau, c'était un os à la balle molle. Je l'ai connu, c'est un gars qui vient de mon coin, de la région de Prédenhaut. Il a bien représenté la province un peu partout, international, provincial, qu'est-ce que tu veux. Il était surtout connu parce qu'il était un petit homme, il avait un homme de fer, un bras de fer qui appelait. Donc ça, c'était très important de voir comment fort que cet homme-là était. Puis il a représenté, puis il a bien fait notre champ. Il est venu un champion pour nous autres ici dans la vallée pour faire reconnaître la balle molle un peu partout en travers le Canada. Une autre chose, une autre personne que j'ai connue, Thérèse Saunier, qui est une bâtisseuse de sport, plusieurs comités. Elle a travaillé local, provincial, régional, c'est quoi qu'on va vous dire tantôt. Elle a été reconnue surtout pour bâtisseuse. Elle a travaillé beaucoup dans les comités et tout ça. Puis j'ai connu Thérèse un peu plus quand j'ai été faire un cours d'été, surtout faire de la maths. Puis elle m'a montré un petit peu de trick sur l'algèbre et la géométrie, donc je l'apprécie encore plus pour ça. Troisième personne que je veux reconnaître, c'est surtout Jacques Leblanc, le boxeur. Jacques vient de notre coin, vient de l'autre. Jacques, c'était un excellent boxeur, le meilleur boxeur qu'on n'a pas eu dans la vallée de Memramcook. Jacques était connu, il n'a jamais été au tapis. Dans les bonnes phrases d'anglais, il n'a jamais été knocké out. Il est connu pour avoir un menton de fer. Ça, là, c'est important parce que, tu sais, il y a eu plusieurs combats, donc il faut le reconnaître pour cette grande habilité-là, puis la grande défense qu'il a faite. Jamais avoir été au tapis, c'est un exploit que tu vois rarement dans ce sport-là. Également, j'aimerais reconnaître mon ami qui est décédé, Jean-Paul Boudreau, qui nous a laissé l'an passé. Comme vous savez, Jean-Paul, c'est un grand bâtisseur, c'est un homme de grand cœur, puis c'est un homme qui a tout dévoué, surtout pour le hockey aussi, le hockey mineur. Il était président des années pour la Verlée League. Ben Jean-Paul, ce qui était connu, il était sa fierté de son village, puis il défend. Puis vous, comme vous le savez, la parole, il ne manquait pas. Ça, c'est sûr et certain, il faut reconnaître ça. Puis surtout, quand tu arrivais ici, puis tu rentrais à l'aréna, la course qu'il y avait, il y avait un jeu de cartes, parce qu'il vendait. Il coupait la carte. Il vendait pour des 50-50. Puis ça, là, ça contribuait beaucoup au hockey. Donc, il a fait ça pour une quinzaine d'années. Et
Il est un gros champion des pauvres par ici. C'est un gars qu'on manque beaucoup, il pense à tous les jours. Puis pour le village, le reconnaître, pour moi, c'est excellent, c'est, ça me touche beaucoup. Je suis sûr que ça va toucher sa famille. C'est le gars qui nous a supportés dans plusieurs dossiers de la vallée. Ça, c'est sûr et certain, et je suis très fier qu'ils l'ont. Donc, sur ça, j'aimerais de vous remercier d'être ici en grand nombre. J'aimerais de remercier surtout, et surtout, je n'ai pas mentionné le Père d'Israël aussi, qui est avec nous aujourd'hui, ici aujourd'hui. Là. Je l'ai oublié, là, je le vois. Là. Donc, bienvenue ici. J'aimerais aussi de dire bravo, félicitations à nos quatre personnes qui vont